Eh oui, quelle est belle cette musique de l'Académie qui nous sert de générique au magazine des Joutes. Soyez toutes et tous les bienvenus en notre compagnie. Je vous présente respectueusement et bien bas mes excuses pour mardi puisque j'étais pris par ailleurs sur l'étang. On était bien, on était au chaud pendant une longue partie de l'après-midi. Par contre, sur le soir, eh bien, il faisait un peu plus frais, mais bon, c'est le temps qui veut ça. À mes côtés aujourd'hui, j'ai les coprésidents de la nouvelle Lens Mézoise, William Alric et Nicolas Rougelin, qui sont là tous deux pour nous parler du tournoi que va organiser la nouvelle Lens Mézoise durant ce week-end. Ce sera le samedi. Normalement, Yannick Baeza va arriver aussi pour nous parler, lui, du tournoi qui va être organisé dimanche et qui est organisé par la jeune Lens sportive mézoise. Messieurs, soyez les bienvenus, vous êtes des habitués. C'est ça. Par contre, vous êtes dans les locaux Saint-Louis, puisque bon, pour la Saint-Louis, on se décentralise, on sort de chez nous et on vient au centre-ville. On était bien avant aussi. Hein. On était très bien là-bas. Ah, c'est bonne chose, ça nous a permis de voir l'ouverture de la fête de la Saint-Louis. Voilà, comme ça vous avez pu tout voir. Parce que la fête de Metz, elle, a commencé depuis mardi. C'est ça, mais nous on est dans les vraies dates. Et oui. C'est-à-dire que la Saint-Louis sont une semaine en avance. Parce que moi il me semble que quand j'aurai le calendrier, la Saint-Louis c'est le 25 août. Oui. Et cette année la Saint-Louis se termine le 22 août. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je pense qu'on n'a pas la même notion du calendrier d'un côté de l'étang de Thau et de l'autre. Certainement. Personnellement, moi je ne ferai pas d'autres commentaires parce que bon, je partage en partie le même point de vue que toi, William. Je me permets de le dire parce que les premières dates qu'on avait reçues en mairie à Metz, pour les dates à Saint-Louis, c'était la semaine d'après. C'est ça. C'est voilà. Ça. Et ils ont changé les dates, on ne sait pas pour quelle raison. C'est ça, c'est ce qui avait été communiqué d'ailleurs. C'était le week-end, non pas le week-end qui va arriver à partir de celui-ci, mais le week-end d'après. Bon. Ils ont décidé de changer. Or, il se dit que parce que les touristes, après, retournent chez eux, il y a moins de monde, etc. etc. Ah, et puis c'est vrai que, comme il a dit Yannick Baeza dans son programme, hein, c'est couronne de fêter le jour de l'an, le jour de Noël, quoi. Ah oui, oui. J'ai trouvé l'expression excellente, entre parenthèses. Ouais, ben écoute, tu vois, il n'est pas là pour nous le dire, mais tu me l'apprends parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu le tien de programme et je t'en remercie, puisque ouais. Tu me l'as gentiment offert ainsi que ceux de la ville de Metz. Par contre, le programme de la jeune Lens sportive mézoise, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas apporter de commentaires là-dessus. Mais je crois que je l'ai récupéré hier ou avant-hier. Oui, bon, mais c'est pas grave. Hein. Alors moi, avant, si vous le voulez bien, avant qu'on parle de ce tournoi de samedi avec les poids lourds et les poids moyens, j'aimerais qu'on revienne sur ce dont on avait parlé lors de votre dernière venue, le tournoi des vieilles canailles. Parce que j'avoue humblement qu'il y a eu une riche idée. Et cette idée, vous l'avez convertie, vous avez mis tout en œuvre pour que tout se passe bien. Et c'est vrai qu'en plus, ça s'est super bien passé, puisque j'étais à vos côtés. Hormis le petit malaise de Yannick Baeza, mais bon, ce qui prouve d'ailleurs que bon, pour ceux qui pensaient qu'il y avait des animosités entre les uns et les autres, eh bien, tout le monde a vu que tout se passait bien et on est vite venu prêter main forte et secours à Yannick. Alors, parlez-moi de moi, ces... avant de commencer quoi que ce soit, d'abord, je tiendrai à remercier et à féliciter déjà tous les joueurs qui ont répondu présent à l'appel de Frédéric Cartier, de Michael Arnaud et de Sébastien Noguet, parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine de cette idée. Et également tous les membres, tous les sociétaires de la Nouvelle Lens Mézoise, parce que bon, ils se sont donnés sans compter, parce que bon, on voit le travail d'une journée, mais ça fait pratiquement un mois qu'on y a travaillé dessus. Et bon, les gars, il y a quand même certains rameurs qui ont ramé samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi, et lundi, ils ont remis leur cul dans les barques pour faire un tournoi bénévolement où ils n'ont rien encaissé. Et ça, je tiens à féliciter tout le monde. Et non seulement, après le soir, ils ont remis la main à la pâte pour servir à manger, pour servir à boire. Et là, je tiens vraiment à les féliciter parce que bon, ça a été vraiment une très, très riche journée. Et on s'est vraiment régalé, quoi. C'était vraiment sympa. Mais et en plus, alors, moi, ça me fait doucement rire parce qu'auparavant, on disait, ouais, les joutes, c'est une histoire d'hommes, c'est une histoire de mecs, il n'y a pas de femmes. Hein. Mais depuis quelques années maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui œuvrent
dans les joutes, qui aide les hommes, qui les seconde. Je ne parle pas du lavage, repassage et compagnie, que les hommes ne savent pas faire, et heureusement que les femmes sont là, parce que moi le premier, ma femme, ça fait je ne sais combien de fois qu'elle m'explique comment marche la machine à laver, j'ai toujours rien compris, et ce n'est pas de la mauvaise volonté. Mais les femmes ne servent pas qu'à faire les courses, à faire la lessive et à faire le repassage. Mais les femmes, elles me ajoutent. Hein. Absolument. Moi, je le confirme. Moi, je prends ma petite fille, elle a 8 ans, Mallory. À tout prix, elle a voulu faire un exposé sur les joutes à son école. Ah, tu vois, c'est bien. Ça commence déjà. Et là, bon, nous on est bien placés, parce que ce soit avec Séverine, avec Mélanie, avec la mère de Mika, Wolf, tout ça. Chaque fois qu'on fait un tournoi, chaque fois qu'on fait quelque chose, elles sont tout le temps présentes pour donner la main, pour... Même elles sont à l'origine de certaines choses, vraiment, sans elles, on serait un peu démunis, je pense. Ouais. C'est vrai qu'on en avait parlé, je crois, la première fois quand tu étais venu. Pour les barques. Nicolas n'était pas là, voilà. On avait parlé des barques, on avait insisté sur Séverine, donc ta belle-sœur, Nicolas, et sur Mélanie, qui est l'épouse de Stéphane Gouin, c'est vrai, de Pops. C'est elle qui avait repris cette idée de la chaîne, là, sur vos barques, puisque il n'y en a pas des masses, hein, où il y a des chaînes. Je crois que c'est les seules barques. Mais fait bon, on va pas épiloguer là-dessus. Mais je veux dire, les femmes jouent un rôle de plus en plus important. Et moi, je suis content qu'on les mette un peu en évidence. Je dis bien un peu, j'insiste gourdement sur le un peu, parce que d'habitude, on n'en parlait pas du tout. Moi, je me rappelle la première année que j'ai été président en Nouvelle-Valence-Mézoise, quand on avait fait le premier discours que j'ai fait à la remise des prix du challenge, Adrien Bernard. J'avais tenu à leur rendre hommage, parce que c'est elle qui nous laisse le temps libre pour vivre notre passion. Oui, c'est vrai aussi. Et bon, et quand il faut nettoyer les blancs, elle avait les blancs. Moi, je sais que de temps en temps, j'ai eu. Il faut que tu me repasses le blanc là, parce que j'en ai besoin pour telle date, voilà quoi. Ouais. Et moi, je ne joute pas. Alors, j'imagine ceux qui joutent, tu vois. Ouais. Et toi, Nicolas, tu joutes, tu rames et... Et j'ai pas de femme, donc c'est moi qui lave tout. Ah bon, voilà. Ah, bah, moi je savais pas. Voilà, donc, donc voilà. Ouais, parce que moi, la première fois où j'ai ramené mon sac, mon blanc tout mouillé à ma mère, elle m'a dit fous-moi le camp de là avec ton sac là. Ah bon, voilà. Donc tu te fais pas tout. Le choix, c'est moi qui me fais tout, je me repasse à mes blancs. Je lave tout et voilà, j'ai pas le choix, personne pour me le faire. Oui, tu le fais bien en plus. J'essaye de faire de mon mieux. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut dire, il a le blanc qui est très blanc. Oui. Non, mais parce qu'il a, il a pas un blanc de messe. Hein, et non, il a un blanc impeccable. Je m'amuse à te taquiner avec ça parce que. Ah, ça avait fait des vagues. Ça avait fait des vagues, mais bon, en plus, il n'y a rien. On en rigole. Oui, des choses comme ça, il vaut mieux en rigoler plutôt que de se prendre le chou parce que ça ne mérite pas qu'on se prenne le chou avec ça. C'est hein, clair. Il y en a d'autres qui ont été critiqués. Il n'y avait que les Sétois qui faisaient tout bien. Donc, qu'est-ce que tu veux ? À partir du moment où il n'y a que les Sétois qui font tout bien. On va les laisser jouter entre eux, et puis les joutes ne seront plus languedociennes, mais alors redeviendront sétoises. Bon, allez, on referme la parenthèse. et quelques mots, William, encore sur ce tournoi des vieilles canailles, parce que bon, moi j'ai été surpris, mais le monde qu'il y avait. Tous les tournois qu'on a fait à Metz cette année, c'était énorme. En termes de. Le tournoi senior, là, comme on avait parlé, qu'il y avait une saveur particulière cette année, d'autant plus parce qu'il y avait un monde sur. Il y avait autant de monde qu'à la fête de Metz, et si ce n'est plus. Et là, de nouveau, lundi soir, quand on a fait le trophée des canailles, à un moment donné, on était dans les barques, on ramait. À un moment donné, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. Les trois tribunes étaient pleines. Oui. Tous les quais étaient pleins. Oui. Et ben, que dire de plus, quoi. Et quand on est arrivé après pour faire la soirée. C'était noir de monde. Ouais. On ne s'attendait pas à avoir un tel succès. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez été un peu débordé, non ? Un peu, oui et non, parce que bon, on avait prévu un certain nombre de repas. Maintenant, on a été obligé d'arrêter la vente des tickets, quoi. Ouais. Parce que bon, on avait pris l'initiative aussi d'inviter les sponsors qui ont participé à la plaquette au repas. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé, on a eu peur. On a eu peur de plus avoir de pas avoir assez de sèche pour tout le monde, quoi. Les boissons, on avait prévu. On n'a pas eu assez parce que nous-mêmes, on n'en a pas mangé. Hein, donc voilà. Ah, vous n'avez pas mangé. On a préféré se priver et laisser les repas à ceux qui voulaient participer. Voilà.
Bah après, même la soirée a été exceptionnelle. Quoi. On a fini mais on s'est bien amusé. Voilà. Ouais. Voilà. Ça a fini à 2h du matin, un excellent état d'esprit, tout le monde s'est régalé. On n'a pas arrêté de recevoir des textos de félicitations le lendemain sur Facebook et tout. C'est vraiment... Mais en plus, moi, ce qui me plaît beaucoup dans des soirées comme ça, c'est la convivialité qu'il y a, le brassage de la population qu'il peut y avoir, hommes, femmes, vieux, jeunes, tout le monde parle à tout le monde. C'est un melting pot, hein, complètement. Mmh. Totalement. C'est ce que je te disais quand la dernière émission qu'on a fait ensemble. Le but recherché, c'était de retrouver cette convivialité qu'il y avait, qu'on oublie qu'on est de 7, qu'on oublie qu'on est de Metz, on oublie qu'on est des copains avant tout, voilà. Et on se retrouve, on est là pour passer un bon moment ensemble. C'était ça le but recherché. Mais vous l'avez. Mais même lui, il y avait des touristes et tout qui ont pris des repas, qui sont venus. Il y avait des jeunes des péniches qui étaient là pour la nuit, qui du coup sont venus manger, qui ont participé et qui sont vraiment régalés quoi. Ouais. Ça a vraiment été un brassage. Un brassage sympa, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que toute cette population s'est retrouvée autour de gens qui se mettent à l'eau autour du port. Et il est vrai que quand on assiste à une telle chose, on ne peut être que fier, content, satisfait, heureux, etc., etc. Parce que et c'est vrai que moi-même, je ne m'attendais vraiment pas à ce qui est un tel succès, hein, je l'avoue humblement. Ouais, hein. Même nous, hein. On pensait qu'on aurait du monde, mais de là à ce qu'on ait plus de 300 personnes à la soirée et tout. Même, bon, je sais, le lendemain, j'étais en mairie, même en mairie, on est venu en parler. Quoi. Mais tu sais, William, avant qu'on lance officiellement le tournoi, qu'on donne le coup d'envoi du tournoi, Séverine est venue me trouver, donc la belle-sœur de Nicolas est venue me trouver et me dit Jacques, il faudrait que tu lances un appel parce que on n'arrive pas à vendre les tickets, on n'en vend pas assez, j'en ai vendu que 4. Alors bon, merci Nicolas, merci Yannick qui vient d'arriver. Je salue Yannick Baïza. Bonjour Yannick. Attends, vas-y. Je te dis, contrôle d'identité, quand tu arrives de Metz, tu es obligé de montrer les papiers. Ah ouais, voilà. Ça sert à rien de se marier avec des sétoises alors. Hein. tu vas pas tirer la bonne. Ne va pas commencer. C'est pas une sétoise, c'est le point de vue. Mélangeons pas tout. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. Je ne sais plus où on en était. Ne froissons pas personne. ne froissons. Oui, ouais, t'es chiant, hein, parce que le pointu est susceptible. Le pointu est susceptible. Yannick, c'est pas vrai? Oui, bien sûr. Le pointu est susceptible. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le... un époux de pointu, avec un E. Hein. Oui, alors je disais, mais bon, on a parlé des femmes, etc., et de votre... de votre activité et tout. Et puis, je précisais aux gens que Séverine, donc la belle-sœur de Nicolas, m'avait dit, Jacques, lance un appel parce que je n'ai vendu que 4 tickets. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, c'est vrai qu'il y en avait eu qui avaient été pris par avance dans les commerces. Hein, puisqu'on... On avait une centaine de repas pris dans les commerces déjà. Voilà. Plus les réservations que nous, on avait au niveau de... On était à 160 à peu près, avant de commencer le tournoi. Donc ça veut dire qu'entre le début du tournoi et la fin, et le moment où vous avez cessé, vous vous avez dit maintenant on ne vend plus de billets... On a vendu le double. On a pratiquement doublé. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est énorme. C'est magnifique. C'est vraiment le devoir accompli. On n'a pas travaillé pour rien. Quoi. C'est vrai que comme on disait, c'est vrai que on a fini à 4h du matin le rangement. Bon. Mais on a passé une bonne journée, on a passé une belle journée. Écoute, c'était le but qu'on recherchait. Et voilà, je sais qu'il y a des organisateurs qui devaient se lever le lendemain et qui n'ont pas pu se lever. Il y avait le petit qui joutait, je crois, non ? C'est pas ça ? Oui, voilà. Oui, ils avaient un petit qui joutait. Même le petit, bon, lui, il s'est pas réveillé, mais les parades se sont même pas réveillés pour réveiller le petit. Ça arrive, hein ? Oui, oui, ils s'identifieront eux-mêmes parce que là, ils sont en train de jouer. Mais cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas, exactement. Tiens, tu vas me remplacer bientôt, William. Parlons de ce qui va se passer ce week-end. Alors, juste une dernière question à propos de ce challenge ou trophée des vieilles canailles, je ne sais plus comment vous l'avez intitulé exactement. Est-ce qu'on aura le plaisir de le vivre l'année prochaine encore une fois ? On va tout faire pour. On va tout faire pour. C'est notre intention. Hein. Alors, je sais qu'il y a normalement, il risque même de se dérouler deux fois l'année prochaine. Une fois pendant les fêtes de la Pérade,
Mmh. Et bon, et nous, on a certainement le 14 août. D'accord. On va essayer de garder la même date, on va essayer de recommencer. Vu le succès, vu les retours qu'on a eus, je pense qu'on est parti pour. Quoi. Alors, tout s'était bien passé. Hein, tout s'était bien passé jusqu'à ce qu'il y ait encore des gens qui se fassent remarquer. C'est pas possible, ça. Yannick, alors. Alors quoi? c'est le porc qui bougeait. Ah ouais. J'ai vu le porc qui bougeait. Et alors le porc qui bougeait. Je l'avais jamais vu, donc ça m'a paru étonnant. Donc j'ai préféré m'allonger. Et puis bon, on a attendu que ça passe. Ouais. Ouais. T'as fait peur à tout le monde. Hein. Ouais, mais bon. Non, c'était pas grave. Il y en a qui se sont affolés, mais c'était pas grave. Ouais. T'as moqué à dire quoi, ça va faire non, il y avait juste ça. C'était là au niveau de la vision, ça bougeait. Bon, c'est un malaise vagal, quoi, pas ouais, plus. Hein. Ouais. Un peu de sucre, c'est reparti. Ouais. Mais c'est spectaculaire, et puis ça fait peur quand même. Hein. Ça fait peur. Hein. Parce que honnêtement. Parce que nous, on a des antécédents, donc. Avec mon père, donc après, c'est ouais. Mon frère a pensé à ça de suite. Donc, et oui. En plus, le pauvre, il était sur notre barque. Après, bon, on a envoyé le sapinou le chercher, parce que bien évidemment, tout le monde se faisait du mauvais ça, mais ton frère encore au plus. Ce qui est tout à fait normal. Il n'y a que moi qui me faisais pas un souci, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu souriais en plus. Tu faisais le malaise, t'avais le sourire. C'est un truc de fou. Moi, il m'est arrivé la même chose un jour. On était au Gros du Roi, un tournoi. Dans cette émission, on fait couvrir des parenthèses. Et puis tout d'un coup, j'étais pas bien. C'était un tournoi junior. Tournoi junior au Gros du Roi, Côte du Bonheur. Ouais. et puis tout d'un coup, j'ai dit, je me sens pas bien. Et je riais, mais à gorge déployée, comme on dit, tu vois. Et il y avait Céline Benz qui était à côté de moi et qui a compris que je ne me sentais pas bien. Et c'est elle qui s'est levée, qui est allée me chercher du sucre. Et donc j'ai croqué deux morceaux de sucre. Et effectivement, après, bon, ça allait mieux. Mais sur le coup, je faisais que dire, mais je me sens pas bien. Genre, je me sens pas bien. Voilà. Bon, mais toi, tu n'étais pas à ce point-là quand même. Ben, si tu veux, moi, j'avais l'impression que ça bougeait. Donc, c'est pour ça que je me suis allongé sur les autres, parce que je me dis, si je reste assis comme je suis là, si je tombe dans l'eau, le temps que tout le monde rigole, j'aurais coulé. Et oui, parce que tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, le couillon, lui. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait, le couillon? Oui, effectivement. Voilà. Bon, alors, un mot sur ce tournoi, Yannick. On a parlé juste avant. Ah, c'est une agréable surprise. C'est vraiment régalé, quoi. Ouais. C'est vraiment régalé, je pense que tout le monde a joué le jeu. Après, bon, c'est dans l'esprit. Je crois qu'il y a eu plus de coups du dehors que de coups autorisés. Quoi. Mais bon, comme c'était les règles internationales, c'est pas de problème. Exactement. C'était donc le règlement. Et le cours du dehors marchait pas en plus. Non. Chaque fois, il marchait pas. Personne ne réussissait à surprendre son adversaire. Et tu le pressentais que Thierry, ton frère. Non, pas du tout. Pas du tout. Et lui, comme il m'a dit, parce que moi, Dorian, je lui ai dit, quand tu fais des nuitées, des trucs comme ça, quand tu prends les gros, j'ai dit, tu vas aller chercher en noir, tu t'emmerdes pas. Ouais. Si au moins tu compenseras. Et lui, il m'a dit, ben, ce que tu as dit à ton fils, je te l'ai fait. Bon, enfin, on a passé une superbe soirée. Ah ouais, la soirée était impeccable. Ouais. Ouais. C'est des idées, on rappelle, Michael Arnaud, Sébastien Noguet et Fred Cartier qui ont eu cette idée-là. Mais écoute, ils ont eu une idée de génie. En plus, bon, un de Frontignan, un licencié à Frontignan, un à Sète et puis un à Metz, comme quoi on arrive à s'unir pour trouver des idées nouvelles et qui attirent du monde et qui surtout font plaisir aux gens, hein, parce qu'on s'est véritablement régalé. C'est clair. Allez, on arrête de parler de ça. On va parler du challenge Adrien Bernard. Donc, si la Saint-Louis, le maire vient de lancer la Saint-Louis tout à l'heure, la fête de Metz, on a dit qu'elle a été lancée depuis le 15 août et qu'elle reste bien dans ses dates et bien dans le créneau historiquement parlant qui lui est attribué. Bah c'est le 19 août, hein, la fête de Metz. Ouais. Il faut impérativement qu'il y ait le 19 août dans la fête de Metz. Exactement. Et la Saint-Louis le 25 août. Voilà. Mais bon, on va pas reparler. Il faut le jour de l'an à Noël. Alors, c'est ce que nous a dit dans ton billet du président. Tu as dit qu'à 7, on faisait le jour de l'an à Noël. Eh bien, comment tu l'appelles, hein? On est le 17 aujourd'hui. Oui. Et la semaine prochaine, c'est le 25. Le 25 qui sera hors Saint-Louis. Oui. Le 25, c'est la Saint-Louis, donc... Oui. Oui. Donc, c'est ça. Peut-être Noël, ils vont le fêter le 17 décembre.
à savoir. Ah ouais, alors donc c'est le calendrier, c'est toi, c'est peut-être plus. Peut-être que le maire il va changer là, les dates. Hein, c'est, ah ouais. Ouais, ouais. Nous à Metz, on respecte le calendrier, je sais pas. C'est, ouais. Bon, c'est les dates fluctuent, tout fluctue à l'heure actuelle, alors, y compris la force du signal internet qui nous pose des problèmes. Donc, bon, vous ne le savez pas, mais nous on le sait. Et on se demandait même si on n'allait pas retourner dans nos locaux propres. Alors, c'est bien gentil de venir en centre-ville, mais bon, si on ne peut pas travailler ou si on ne peut pas émettre, ça pose un souci. Allez, on en parle cette fois du challenge Adrien Bernard. Bon, alors le challenge Adrien Bernard, moi, il y a quelque chose en plus qui concerne les deux sociétés de Metz, mais pas que les vôtres, pas que les vôtres, parce que depuis le début de l'année, je ne cesse de le répéter, de le redire, c'est cet irrespect qu'ont les joueurs, les shooters, pour les sociétés organisatrices de tournois. Et en plus, vous, à Metz, chaque année, maintenant, parce que la Saint-Louis est un lieu en même temps que la fête de Metz, vous y avez tout le temps droit, il y a une flopée d'absents. Mais ça, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens font preuve d'un tel irrespect en s'inscrivant à vos tournois, je dis bien vos tournois, les deux, hein, le Adrien Bernard et le Molinier-Sille, hein, pour Yannick le lendemain. Je comprends pas ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui me dépasse, mais totalement. Voilà. Alors, comment vous le vivez, vous les Mésois? Alors, Nicolas. Ça nous amuse pas vraiment. Alors moi, je veux pas du tout critiquer la Saint-Louis. C'est la fête des Sétois. C'est normal que pour la fête des Sétois, il reste à 7 ans. Mais alors à ce moment-là, parce que nous en plus, je vais parler là particulièrement du samedi, c'est-à-dire que pendant la Saint-Louis, le samedi matin, il y a le concours des boules carrées. Il y a énormément de jouteurs qui participent à ce concours, ça je peux le comprendre. Le soir, il y a la Coupe d'Or, ce qui fait qu'il faut qu'ils se viennent en se dépêchant, en sortant des boules carrées. Et des fois, parce que les boules carrées, on les a tous fait, on ne sort pas très net, hein, on boit pas mal. Et on repart en quatrième vitesse faire la Coupe d'Or, ce qui fait que... Alors, moi, je peux comprendre que quelqu'un de 7, il a envie de rester à 7 parce qu'il y a tous ces événements. Mais alors, à ce moment-là, s'il n'est pas capable d'assurer sa présence à Metz, qu'il ne se fasse pas marquer. Voilà, c'est tout ce que je... Après, pour le dimanche, Yannick, je pense qu'il... Mais nous, le dimanche, voilà. Il ne se marque pas. Hein. C'est, voilà, puisqu'on on a tiré à 25, hein. C'est un tournoi junior. Hein. C'est, on tire à 25, donc... Fait quand même, Yannick. Ouais, on est revenu comme dans les années 50. Hein. Ouais, non, mais attends, 26 jouteurs par barque, mais bon, à l'époque, ils faisaient 7-8 passes à chacun, donc ça prenait l'après-midi, quoi. Oui. Alors que là, bon. À l'époque, si il y avait. Si on commence à 3h, à 5h30, voilà. Ça va faire juste pour faire la remise. Hein. À l'époque dont tu nous parles, bon, c'est vrai que il n'y a pas si longtemps en arrière que ça, en plus. Mais à l'époque, le matériel n'était pas du tout le même. Oui. Le règlement n'était pas le même non plus. Il n'y avait pas ces histoires de garde, de retenant qui maintenant, une fois que la lance elle est prise. Avant, c'était des allumettes, les retenants. Hein. Oui, c'est pour ça qu'ils faisaient 7-8 pas. Exactement. Ça tapait, mais ça décrochait de suite. Ouais. Voilà. Alors moi, j'arrive à comprendre un peu la colère tempérée de Nicolas qui, au travers de ses propos, traduit tous ceux de la nouvelle lance. Et toi, donc, ils ne s'inscrivent plus. Ben, écoute, il y a des sociétés qui ont joué le jeu. La lance amicale, particulièrement, ils sont 7. Ils sont 7. Oui. Donc, eux, ils peuvent. D'accord. Le pavois d'or, 0. L'avenir, 0. Les pêcheurs, 1. Enfin, après, je ne me rappelle plus, j'ai plus de tête. Après, c'est 1. Je ne vais pas te le rendre. La lance sportive, 0. Après, c'est 1 shooter. Et après, quand je vois aussi une société comme Balaruc qui a un shooter, je me pose des questions, quoi. Balaruc, que je sache, nous on y est, on fait les défilés, on rame, hein, quand on va ramer, on est là pour ramer, on n'est pas là pour faire un défilé, mais on le fait quand même. Et bon, après, en contrepartie, ben, on n'a rien. Enfin, c'est pas une contrepartie que je demande, mais c'est un respect mutuel. Oui. C'est, et là, bon, tu vois, on a un shooter. Ouais, parce que quand je vois. Le président, il n'y est même pas. Donc. Ouais. 25 jouteurs par barque. Ouais, 26 jouteurs par barque.
Et si tu enlèves le nombre de Mézois, parce que là, les deux tournois de Metz, il y a des gars qui font que les tournois de Metz. Oui. Tu enlèves tous les Mézois, tu regardes ce qui reste. Il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, c'est... Après, si, il y a des sociétés qui jouent le jeu. Frontignan, la SNJA, c'est des sociétés, ça, qui sont... ils envoient du monde. Mais... En plus, ce que je n'arrive pas à comprendre au niveau des shooters, c'est que quand tu auras le lundi, les demi-finalistes, ils ont fait les deux tournois de Metz. Oui. Ouais. La plupart du temps. Ouais. La plupart. Ouais. Ouais. 9 fois sur 10. Et ceux qui jouent les premiers rôles à la Liga, de toute façon, ils sont là samedi et dimanche. Hein. Donc après, moi, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui jouent le dimanche. Mais en fin de compte, ils sont, je crois, 22 ou 23 à ajouter le dimanche. Je veux pas dire, lundi, il y en a combien ? À lundi, ils sont 48 par barque. Voilà, 48 par barque. Hein. Oui. C'est le compte qu'il vite fait. Hein. C'est le double. Le compte qu'il vite fait, les 48 par barque. Seulement, il y en a qui jouent que pour la Saint-Louis. Oui. Alors que le dimanche, dimanche, dans la catégorie moyenne, à la Saint-Louis, ils ne sont que 23 par barque. Mmh. Et encore, parmi ces 23, il y a des seniors. Il n'y a pas que des joueurs poids lourds et moyens. Non, mais moi, je te dis par rapport au lundi. Par rapport au lundi, tu en as 48 par barque. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver... je ne veux pas qu'on arrive à 40. Mais on peut arriver pas loin des 40, on peut être... Moi, ce qui me fait mal au cœur, Yannick, n'y voyez n'en prenez pas ombrage de ce que je vais dire tous les deux, c'est que le Molinier-Sil fait partie des grands tournois de joute. C'est un des plus anciens, ouais. Comme il y a le Pavois d'Or, comme il y a le Trophée du Languedoc, il y a le Molinier-Sil. Ce sont les trois plus grands tournois de joute. Alors, c'est vrai que maintenant, on m'a dit, oui, mais ça n'a plus aucun sens, ce que tu dis. Certes, ça n'a peut-être plus aucun sens, mais pour tous nos anciens, ces tournois-là, c'était les plus prestigieux. Alors, à l'heure actuelle, il est vrai que tous les tournois sont effectués, sont disputés par tous les mêmes jouteurs, tous les dimanches. Mais quand même, quand on parle d'un de ces trois tournois-là, que ce soit le Pavois d'Or, le Trophée du Languedoc organisé par l'SNJA et le Molinier-Sil organisé par la Jeune Alliance Sportive Mézoise, tous les joueurs savent que ces trois tournois-là sont les trois tournois majeurs. Alors moi je me dis, si j'étais à ta place, j'aurais encore plus les glandes, parce que je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. On n'est pas là pour cracher sur les uns ou les autres, mais simplement pour essayer de trouver une solution pour que les gens, et alors en plus, tu en as 25 par barque, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'absent, hein, parce que... Avec cette histoire de Volta. Oui, alors ça... On l'abordera après, parce que je suppose qu'il va nous en parler, Yannick. Parce que non, nous, mais après, quand tu dis, nous, les 25, le trophée, l'autre fois, ils étaient 30, hein, oui, par barque. Hein. C'est le trophée, hein. Oui. Enfin, soit les gars ils veulent plus se déplacer. Je vois pas d'autres explications. Alors, ce qui est triste. Je me pose la question sur le Gros du Roi la semaine prochaine. Hein. Ce qui est triste, mes chers amis, et là je parle encore plus librement puisque vous êtes tous mésois, c'est que je me demande véritablement si les Sétois, qui constituent la majeure partie des jouteurs, aiment autant les joutes, je ne vous demande pas de répondre à la question, hein, aiment autant les joutes que ceux qu'ils veulent le dire. Voilà. Alors, je ne vous demande pas d'y répondre, parce que vous savez très bien que je ne veux pas qu'on ouvre des polémiques au cours de nos émissions, ni autour de ces micros. Mais je me pose la question, voilà, tout simplement, la question reste en l'air, comme ça, parce que, alors après, c'est facile, hein, on me dit, ouais, la Ligue, si, mi, là, attendez, faut pas se tromper de cible, ni faut viser les personnes qui commettent des fautes. La Ligue n'a rien à voir avec les tournois de Metz, ni la Saint-Louis, ni quoi que ce soit. Moi, je dis simplement que, quand on sait
toute l'année, les efforts que vous, en tant que société, faites, et quand je dis vous, c'est pas que vous, vos deux sociétés. Toutes les sociétés, toutes, ouais. Voilà, toutes les sociétés. Quand on sait que les efforts que font toutes les sociétés, quand on sait combien coûte l'organisation d'un tournoi de joute, non seulement en argent, mais en temps, en matériel humain, en matériel de joute, de fabrication, de lance, de pavois, etc., etc. Les barques, l'entretien et tout ça, je me dis, attendez, là maintenant, on marche sur la tête, quoi. Alors, est-ce que vous avez une lueur qui pourrait apporter quelque chose ? William. Merci du cadeau. Ah mais Yannick, Nicolas. Non, des lueurs, on n'en a pas. Ils font ce qu'ils veulent. On ne va pas forcer les gens à venir. Ils préfèrent faire un tournoi, se concentrer sur des tournois amicaux que représente la fête de la Saint-Louis que certains tournois. Mais enfin, comme tu disais, c'est vrai que quand tu auras tous les tournois lourds cette année, les tournois extérieurs à 7, j'ai pas vu grand monde non plus. Non. Que ce soit Marseillais, je crois que c'était 25 par barque. Il y a Frontignan. Il y a que Frontignan où il y a eu deux. Ouais. Faut croire qu'ils aiment pas faire des kilomètres, peut-être, je sais pas. Nous encore, on a 32, 33. Un senior, ils arrivent à faire des. Les seniors, il y a une autre mentalité. Ouais. Mais voilà. Par contre, senior, c'est vrai que cette année, j'ai trouvé les tournois seniors beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus agréables à regarder que les tournois lourds. Et je partage totalement ton point de vue. Je peux t'assurer, je l'ai même dit moi-même. Le challenge Joseph Durand qu'on a fait en senior, je peux t'assurer qu'on a eu un tournoi de haute qualité. Oui, puis en plus, non content d'avoir les jouteurs, un tournoi de haute qualité. Une super ambiance. Hein. Voilà, un esprit extra. Et un monde, je vais te dire, les jouteurs, quand j'ai parlé un peu avec certains jouteurs, ils m'ont dit, mais quand on était à moi, on avait la chair de poule du monde qu'il y avait autour du quai. Quoi. Et en plus, ils ont offert un spectacle avant. Un match water polo. Improvisé. Parce que, bon, comme traditionnellement, on fait un repas avant chaque tournoi. Ils ont répondu un bon nombre présents, notamment. Il y avait même des gens du Gros du Roi et tout qui sont venus, qui ont participé au repas. Et à la fin du repas, ils se sont tous mis à l'eau avec un ballon. Match water polo dans le port. Ouais. Et on a fait un petit défilé après pour marquer le coup pour le tournoi senior, de la capitainerie jusqu'aux tribunes. Donc, ils faisaient le tour du port. Et je crois qu'il y avait plus de monde à ce défilé qu'au défilé de la fête de la maison. Ouais, ils ont tous participé, tous les joueurs qui sont venus ont participé. Après le tournoi, il y a des joueurs qui sont restés jusqu'à très tard. Hein. Tu demanderas à ton fils, hein, Jacques. Je sais. Et tu as même les lourds qui sont venus fêter le trophée du Languedoc. Ils sont venus à Mazin pour fêter la victoire à David April. Donc, l'esprit lié quand même alors. Ben oui. Pour quelques-uns, oui. Pour certains, ouais. Pour certains, tu les vois, les jeunes, encore. Moi, j'ai vu, on est à la Hague de mardi. Les seniors, ils mangeaient ensemble, tout ça. Ils ont mangé ensemble avant le tournoi, comme ils l'ont fait à Metz, comme ils le font maintenant. Ils ont mis ça en place à tous les tournois, ils peuvent le faire. Vous savez que, bon, toi, tu dois le savoir, parce que tu es bien placé, puisque Dorian est un des initiateurs de ça. Ils se sont créés un site Facebook. Ouais, c'est ça, ouais, un groupe. Ouais. Ils ont un groupe, c'est fantastique ce qu'ils arrivent à faire, ces gamins. Moi, quelque part, moi, je suis heureux quand je les accueille le mardi, quand ils viennent avec les juniors ou les seniors. Puis nous, c'est deux catégories qui nous a tenu à cœur, cette année, les seniors. Ah bon? On a gagné, en tout, plus de 50% des tournois. Ouais. Entre Michael, entre Benjamin Virenque et Brice Bernal, on a gagné, je crois qu'on était à 8 victoires, je crois. Ouais. Non, mais en plus, moi, ce qui m'espante, pour employer un mot de chez nous, c'est l'état d'esprit. Ils sont irréprochables. Hein. C'est magnifique. Et en plus, ils se galèrent. Hein. Ouais. Moi, je vais te dire, mardi, je les voyais, même au niveau des demi, Michael, quand il a jeté, il te l'allumait dans l'eau comme il faut. Hein. Mais oui. Mais alors, ce qui est génial, c'est que eux, mais ils le font en plus ouvertement, quoi. C'est le côté folklore de la chose, c'est ça. Et moi, je me dis comment ces jeunes. Et je crois que le salut viendra d'eux. Hein. J'espère. De toute façon, l'année prochaine, t'as Michael qui monte. T'as Koss qui monte aussi. Déjà, tous les deux. Et je pense qu'ils feront des prix l'année prochaine. Parce qu'ils ont. Michael a trouvé sa joute. Il a changé de joute à Mika et.
Et même il la voit. Et les jeunes, ouais, ouais. Le jeune, même le jeune Cosse. Je... Il tient un peu plus à l'aise. Hein, et, si, si je peux te dire, le mardi, là, il a pris, quand il a pris Léo, il a arraché. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Il a bien arraché. Mm. Hein. C'est, mais moi, je me demande, alors bon, vous êtes plus à l'issier, mais toi, Yannick, tu joues plus, si ce n'est dans les tournois amicaux pour t'amuser. Toi, William, non. Toi, Nicolas, tu es encore parmi le monde des shooters. Est-ce que ce ne sont pas ces jeunes qui vont venir en aide à nos joutes, Nicolas? Bah, c'est compliqué. Après, les jeunes, quand ils arrivent, ils sont, bon, je dirais pas timides, parce que bon, quand même, Mika, il est bien avec tout le monde. Hein, ils s'entendent déjà bien avec la plupart des lourds. Hein, avec Sivo, ils s'entendent bien. Avec la lance amicale, ils s'entendent très très bien. Avec les pêcheurs, il a fait toute la fête de la Saint-Pierre. Avec eux. Ouais, voilà, il avait le tournoi à Meza. Et quand il était de Meza, il est reparti faire le tournoi, faire la Saint-Pierre. Faire la fin du tournoi des lourds. Donc, non, ils s'entendent bien avec tout le monde. Après, oui, il suffit que quand ils arrivent, ils mettent leur bonne humeur qu'ils ont actuellement. J'espère que. On se greffera à eux. Ça va pas être évident. Yannick, tu te rappelles quand tu montais, toi? Tu étais jeune. Ouais, je me rappelle. Ouais, 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 oui, mais moi aussi, je me rappelle. On t'a envoyé là-dedans presque en pâture. C'était une obligation. Tu finissais les trois premiers, tu montais. Ouais. Donc j'ai fait junior, senior une année et lourd de suite. Ouais. Tu l'avais vécu comment à l'époque? C'est l'insouciance, hein, tu es jeune, tu arrives, tu fais pas trop attention. C'est vrai que tu regardes les champions à l'époque, on les badait, mais leur faisait pas de cadeaux non plus. Quoi. Non, eux non plus. Ils te faisaient pas de cadeaux. Non, là il n'y avait pas de cadeaux. Hein, mais bon, si tu les. C'est sûr que si tu les bades, tu vas nager tout le temps. Quoi. Voilà. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que les jeunes qui montent des seniors en lourd, chaque année, les meilleurs en tout cas, arrivent à tirer leur épingle du jeu aussi. Hein. C'est quand même Ils sont déjà bons. Hein. Ils sont déjà bons. Ouais. Là, tu prends comme Mika, il survole les seniors. Donc, il va monter, il est au niveau de pas mal de lourds. Après, le temps, quelques tournois qui se règlent, et c'est bon. Hein. Ouais. Il est dans le bain. Hein. Bon, la première année, c'est comme tout ça. La première année, ils vont arriver à. Ils vont surprendre. C'est à eux d'en profiter, quoi. Et profiter de cette année pour se régler. Et après, l'année suivante, pour confirmer, quoi. Et est-ce que cette tranche d'âge qui constitue, là, les poids lourds actuels. C'est pas elle aussi qu'il faudrait un peu aiguillonner là parce que bon, les anciens, que ce soit alors quand je dis les anciens, il faut pas qu'ils se vexent non plus, mais des garçons comme Jean-Louis Montel, Sébastien Abellan, qui sont parmi les plus anciens, hein, de la catégorie lourd, enfin, il y a ces deux noms qui me viennent en tête parce que je sais que j'en ai discuté avec eux, et même eux se posent des questions de savoir comment redonner cette flamme, cet amour, cette ardeur, qui a autour des joutes, et eux-mêmes ne savent plus comment faire, quoi. C'est compliqué, hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est très très compliqué. En plus, bon, il y a, on ne va pas le cacher, il y a un climat un peu difficile cette saison, et c'est vrai que c'est pas fait aussi pour arranger les choses. Mais bon. Moi, j'aimerais que pour l'amour qu'on a tous autour de cette table, et même bien d'autres pour les joutes, parce que même il faut pas se voiler la face non plus, hormis le tournoi de la lance amicale où il y a eu véritablement à 7 des tribunes très copieusement garnies, le reste des autres tournois, on a cherché les spectateurs presque à la longue vue. Hein. Et paradoxalement, à Metz, il y a tout le temps eu du monde. Ouais. Tous les tournois, il y a eu du monde à Metz. À Metz, j'ai l'impression que dès que tu mets des barques à Le Port, ça y est, c'est bon. Oui, parce que moi, je suis même venu voir. Moi, je vais te dire, j'étais au début dans le tournoi de lundi, là. Quand tu es là, tu te dis, merde, tu as l'impression que c'est le dimanche. Oui, ouais, c'est ça. Quand on a regardé, les deux côtés étaient pleins, les tribunes elles étaient à bloc. Tu te dis, merde,
C'est le dit. On est déjà le week-end. Et puis Yannick, moi je veux te dire une chose. Ils sont restés quoi en plus. Ils sont restés, mais en plus pour arriver à te trouver une place, bonjour l'ambiance. Ouais. Ouais. Parce qu'il était, c'était pas évident du tout. C'est clair. D'arriver à pouvoir se garer. Hein. Mais après voilà, peut-être à Cassette il y a eu de lassitude, j'en sais rien. Parce que moi je peux te dire qu'à Metz, nous, que ce soit même pour les petits. Là, on a fait fin juillet, nous, on a fait le tournoi des rugbyman, des poteaux. On est arrivé là à 6 heures. Moi, les collègues, ils sont arrivés, ils se demandaient ce que c'était. Quoi. Les tribunes étaient pleines. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais même pour ton tournoi. Et c'est un tournoi pour rigoler, quoi. Non, mais même ton tournoi junior qui avait lieu au début du mois de juillet, c'était un bloc de monde. Quoi. Non, mais tous les tournois à Metz, il y a eu du monde. À Metz, il y a du monde, quoi. Il y a un public. Hier soir, il a fait les petits. J'ai fait, on a fait la. Petite barca, c'était blindé. Ouais. Ah oui. Déjà, ils s'en rendaient pas compte. Moi, je te dis, les seniors, quand ils ont jouté, ils nous ont dit on avait la chair de poule. On avait la chair de poule de jouter tellement il y avait du monde. Il suffit de voir le matin quand on prépare les barcas, tous les gens s'arrêtent et nous disent quand est-ce qu'il y a des joutins, à quelle heure c'est. Tout le monde nous demande. Moi, c'est simple. J'ai des amis qui m'ont dit, qui m'ont appelé cet après-midi, qui viennent d'après Montpellier, et qui m'ont dit est-ce qu'on pourra avoir des joutes à 7 ce week-end. J'ai dit oui, effectivement, vous verrez des joutes à 7 ce week-end. Il y en a à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, il y a les petits qui sont sur chariot, puis demain, il y aura des enfants sur barque, puis ça va aller en grandissant jusqu'à lundi, tous les jours, il y en a. Ah, mais il n'y a pas les champions. Voilà la réflexion que m'ont fait mes amis. J'ai dit, oui, mais attends, les champions, c'est ce que tu appelles les poids lourds, donc c'est a priori ceux qui sont les meilleurs. Ah, j'ai dit, non, si tu veux les voir, il faut aller à Metz. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est, eh bien, c'est pas grave, hein, on n'ira pas à 7, hein. On veut voir des grands jouteurs. Ah, puis honnêtement, on a un cadre magnifique. Le port de Metz pour les joutes, c'est grandiose. Un peu trop grand, hein. Et chouïa. Les barques tournent bien, oui. Les barques tournent bien. Oui, ouais, il ne faut pas lever les barques la rumeur a dit que des barques allaient être enlevées dans le canal royal, etc. etc. et où, non, il y a eu un démenti après. Oui, il y a eu un démenti de Dédé. Mais enfin, bon, lundi soir, moi, quand on s'apprêtait à manger, les jeunes ne parlaient que de ça. Hein. Mais enfin, bon, c'était un faux, une erreur, appelons-le comme on veut. On revient à notre tournoi maison. Hein. Samedi, donc. Samedi 15h. Adrien Bernard. C'est Adrien Bernard, on a le défilé à 14h30. On part de la mairie. Comme d'habitude. On fait un repas au château. Tous les jouteurs sont conviés, hein. Mais bon, on sait très bien qu'ils ne viendront pas, qu'ils préféreront rester au boulot carré. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça, on nous fera plus à manger pour nous. Hein. C'est pas grave. J'espère que cette année, il ne pleuvra pas, au moins. Ben non, hein, c'est pas prévu. Non, on n'a pas. Vu 31 par mois qu'on peut se permettre de démarrer à 4h. Hein. Ouais, ouais, ben fait, bon, l'année dernière, on a démarré à 4h30, je crois. Ouais, mais à 7h, on avait fini. Oui, on avait fini. ils avaient tiré sur l'aviron, les types. Hein. On a d'excellents rameurs à Metz. Ah ouais. D'excellents rameurs, d'excellents barreurs, écoute. Non, mais là, nous, non, on va démarrer le plus loin. On commence demain déjà. Demain, on a le premier défilé. Donc déjà, oui, voilà. On va dire, la fête de Metz a commencé depuis le 15 août, mais l'ouverture officielle, c'est quand même le vendredi soir, au moment du défilé. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Ça, c'est donc là, vous défilez tous ensemble. Ouais, voilà, là, il y a un défilé. Le défilé de la ville. Le défilé de la ville. Ouais. Vendredi soir à 22h, départ de la mairie. Là, on fait le grand tour, parce que bon, il nous faut monter jusqu'à la nationale pour descendre après par le port, par le petit port pour remonter à la mairie. Après, bon, samedi, bon, nous, on a le tournoi. Bon, nous, on va commencer le matin jusqu'au soir. Bon, bien sûr, il y a des balles tous les soirs, hein, pour continuer à fêter. Il n'y a pas de problème. Et le dimanche, il y a Jeune Lance. Alors toi, Yannick, tu prends le relais le dimanche. Tu pars à 14h30 aussi, le défilé. Oui, on a le rendez-vous à 14h30. Après, on n'est pas... On ne sera pas 5 minutes près, quoi. On n'est pas... On ne sera pas pressé, hein. Ouais. Ni eux ni nous, on sera pressés. Hein, vu le nombre, on aura le temps de faire les tournois tranquilles. On peut faire même des interludes et tout au milieu. pas trop quand même, pas trop. Si on fait manger au water polo avant les revanches. Hein. Si tu veux. Ça peut nous péter. Hein. Non, mais moi ce qui me plaît à Metz, c'est l'état d'esprit qu'il y a. Parce que y a quand même
un esprit de clocher qui existe à Metz. Non, complètement. Et que l'on a nulle part ailleurs, faut bien le dire. C'est une ville qui fait 12 000 habitants, mais ça reste un village. Hein. Regardez notre logo, hein, le, sur Adorant des Rameurs et compagnie, sur nos t-shirts derrière, fier d'être maison, hein, oui. En patois. Oui. Ça veut dire quelque chose. Vous l'avez même marqué sur vos barques. Sur les barques aussi, sur les Tintins, on l'a marqué aussi, parce que on est vraiment attaché à. C'est nos valeurs, quoi. On est comme ça, on est maison, avant tout, on est maison. Ouais, mais ça, c'est le propre de chacun dans son. Dans ah, mais on le cultive. Et on le transmet. On le cultive, on le transmet aux jeunes. Ouais. Yannick, juste un mot, parce que tu vois, je regarde le programme que tu m'as apporté et je vois le site joutou.com. Tu, où ça en est, Yannick ? Ben le site, si tu veux, j'ai pas trop le temps. Depuis que Laura m'a laissé le site, je m'en suis occupé et j'ai de moins en moins de temps pour m'en occuper. Bon, après, c'est vrai que de son côté, Jean-Pierre a fait le sien et ça m'arrange. Mmh. Il fait son site avec les tirages et tout. Et nous, bon, ben pour le moment, il est un peu. Il n'est pas en sommeil, mais. Il reste là où il est, quoi. Ce que je regrette, Yannick, je te le dis franchement, c'est toute cette partie historique, le travail qui a été fait, que tu as continué à faire quand Laurent Serveil, t'as passé le relais, parce qu'il a fait un travail phénoménal, hein, Laurent. Ouais, d'entrée. Ouais, il y a un travail d'archive, ouais. C'est énorme. Je le continue, mais après, il y a des choses, si tu veux, que j'ai. Pour le moment, je n'ai pas mis sur le site, hein, mais je continue à. Je continue à le faire. Parce que. Et principalement, je ne peux pas dire principalement, mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux jouteurs maisois, quoi. Et tu vois, là, pendant l'hiver, j'ai trouvé des pavois, des gens qui avaient des pavois. Jojo Viala, il avait des pavois de son grand-père. Donc, comme Marcel Alexandre, je me retrouve maintenant avec deux ou trois dates de plus de tournois qu'il a gagné, quoi. Ouais. Mais malheureusement, à cette époque-là, il n'y a pas de. La presse, il n'y a pas grand-chose. Hein. Des fois, ça retombe sur un détail qui est quelque part. Où, ça permet de dire, c'est lui qui avait gagné à tel endroit. Quoi. Voilà. Mais bon, tout ça, je continue à le faire. Hein. Ce n'est pas encore sur le site, hein, mais à un moment ou à l'autre, je le mettrai. Quoi. Parce que... Après, il faut que je le tienne, c'est tout. Ouais. Ben, sûrement, je suis un peu pris. Quoi. Toi aussi. Non, mais moi ce que je regrette, hein, en tant qu'amoureux passionné des joutes, comme vous le savez, c'est qu'il y a un travail d'archive qui a été fait, mais qui est colossal. Il faut bien le dire aux gens. Les gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande. Bon, par ma occasion, on donne un petit coup de chapeau à Laurent Serveil. Mais, et puis à toi aussi et à ton épouse, parce que je sais que vous y travaillez pour continuer à ce que cet historique soit toujours disponible, parce que vous avez fait un travail énorme. Et quand je vais regarder des trucs et je vois que les croisements ne se font plus et tout, je dis putain, ouais. Yannick. Alors tu vois, je m'énerve. Mais en plus, si tu veux, Laurent, au début, quand il le faisait, moi, je partais sur les tournois, on partait sur les palmarès des différents tournois. Lui, après, il a commencé à partir sur les nuitées, sur les tournois amicaux. Il est fou. Ah ouais, mais il est fou, ce type. Chercher de ces trucs, c'est... Mais c'est pour ça que je dis, personnellement, ça me fait beaucoup de peine que de voir... Après, c'est pas grand-chose, hein. Tu sais, il suffit de mettre à jour. Il y a un an, à mettre à jour. Hein. C'est fait la saison qui. Le reste, ça a été fait, mais ça n'a pas été validé parce qu'après, j'avais des problèmes de format pour le basculer sur le serveur. Mais là, il manque juste à mettre celle de cette année. Quoi. D'ailleurs, tu vois, j'en parlais avec Benja, qui voulait savoir où il en était au niveau de ses victoires. Hein. Alors parce qu'il s'allume un peu avec Titouille. Hein. Ah. Savoir s'il avait dépassé ou pas encore. Et il est encore derrière. Ouais, il est à égalité avec Pugliano et Montel. Ouais, donc à 33, ça veut dire que, ouais. Et Robert est à 34. Ouais. Ouais. Ah ouais, parce que tu vois, il est pas loin derrière. Donc pour le moment, il a la 5e place ex aequo. Oh, il va pas rester longtemps, 5e. Non. Avec il a encore du temps, mais déjà. Après, pour aller chercher devant, ça va être un peu plus dur. Quoi. Ouais. Ah oui, il y a une marge après. Ah pour arriver jusqu'à Bernard, après, il y a une petite marge. Ouais. Mais Bernard et Claude, on va les avoir tout à l'heure. J'espère qu'ils vont pas. Ils sont noirs, là. Ah bon.
Tu les vois, toi? Moi, je ne les vois pas. Je les ai vus en arrivant. Bon, mais c'est bien. Donc, j'étais en avance. Ah, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, mes chers amis, que vous voudriez dire encore? Non, mais on espère que tout le monde va répondre présent, comme ça a été le cas depuis le début de l'été, déjà. Que ce soit une belle fête populaire, que tout le monde prenne du plaisir, que même nous, on prenne du plaisir. Moi, ce que je souhaite à tous les sociétaires, que ce soit de la Nouvelle ou de la Jeune Lens, même les shooters, qui prennent du plaisir, que c'est leur fête, quoi. C'est pas une... C'est la fête de Metz, c'est la fête des sociétés, que tout le monde prenne du plaisir, dans la joie, la bonne humeur, et c'est un débordement, quoi. Oui, ouais, parce que l'année dernière, on en a eu une grande joie, Yannick. Ouais. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que j'allais dire, ce que je souhaitais, que ce soit pour nous ou pour William et Nico, de vivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Ah ouais. C'est, que ce soit nous ou eux, qu'il y en ait un qui ait ce plaisir de gagner à Metz, hein, c'était énorme. Hein. L'année dernière, c'est un truc. J'en ai connu des victoires à Metz, hein, mais celle-là. Y compris la tienne. Hein. Celle-là, ouais. Et je peux te dire que même avec la mienne, celle-là, elle m'a fait encore plus plaisir que la mienne. Ah, mais celle-là. Celle-là, c'était vraiment un truc énorme. C'était énorme. Je pense que j'ai jamais vu le port comme ça en flamme comme ça. Là. Oui. Ouais, parce que bon. Donc rappelons quand même aux auditeurs qui ne le savent pas. Donc l'année dernière, le Bolinici a été remporté par Johan Mendes, voilà. Donc qui est membre de la Jeune Lens Sportive Mézoise, donc la société organisatrice le dimanche, et qui en plus est un pont moyen. Et joueur moyen, ouais. Donc il pesait l'année dernière moins de 85 kilos, ouais. Puisque cette année la barre est montée à 90, mmh. Mais bon, lui il est toujours au même poids. Mais c'est encore plus gigantesque comme poids. Ouais. Là il y aurait eu des paris, là, ça faisait péter. Là. Ça faisait péter. La côte devait être haute. Mais c'était. C'est en plus, Nano, c'est quelqu'un qui s'investit, il s'occupe au niveau de la cavalcade. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même sur Metz, il est quand même assez connu, assez reconnu. Et là, ça, d'autant plus, ça fait un truc, c'était vraiment exceptionnel. Quoi. Moi, ça m'a fait penser quand Sylvain Yop avait gagné la première fois l'Adrien Bernard. Mmh. Pareil. Ouais. On était habitué à le gagner avec Bernard. Ouais, mais c'est pas pareil. Après. Et quand Sylvain, la première année que Sylvain a gagné, ben, je peux t'assurer, ça avait été une énorme fiesta. Ah ouais. Et là, pareil, tout le monde était en ébullition. En plus, il était jeune aussi, Sylvain. Ouais. La même année, je crois qu'il fait. C'était ça pour lui. Ouais, je crois qu'il a gagné après, l'année après. Ou il a gagné deux ou trois ans après. Il a regagné deux ou trois ans après. Ouais. Et après, bon, il avait fait des demi-finales à Saint-Louis. Il était en plein de bourre. Ouais, c'est vrai que la première année où il a gagné, ça avait été. Je pense que ça avait été mémorable. Hein. Ouais. Je me rappelle qu'on avait réservé les repas au restaurant. À l'époque, c'était Carlo qui avait encore le dégaphone, il avait encore le restaurant. On y avait réservé les repas. On est arrivé, les rameurs, tout ça, on a payé le repas. On est ressorti. Il dit, qu'est-ce que je fais des repas? Je dis, mais tu fais ce que tu as, on ne mangera pas ce soir. Ouais. C'est vrai que ce sont des grands moments. Hein. Ce sont des grands moments. Nous, en plus, bon, on a la chance. Bon, en senior, bon, ça fait quelques années quand même qu'on a encore ce goût de victoire. Ouais. Là, parce que bon, là, cette année, il y a Bercy Bernal qui a gagné. L'année dernière, c'était Michael Wolf. L'année d'avant, c'était Benjamin Virenque. Ouais. Après, toi et ton frère, vous l'aviez gagné, Nico ? Moi, en 2010. Ouais. C'est vrai que bon, on a. C'est pas les lourds, mais bon, pour nous, c'est pareil. Quoi, que on soit a fait quand même votre tournoi senior. Il pique plus. Ah ben c'est clair. C'est clair. Tu sais, c'est l'identité qu'on parle. Hein. Oui. Le jeune gagné à Metz, c'est que ce soit n'importe quelle catégorie, il veut le gagner à Metz. Ouais. C'est la même fête d'ailleurs. Hein. Que ce soit un senior ou un lourd, pour nous, c'est. Il n'y a rien de plus beau. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais je te crois. Il n'y a rien de plus beau. Yannick, ça t'avait fait quoi, toi? C'est exceptionnel. Ouais, c'est remonter la mouette, mais tu te rends compte, c'est. Mais si tu veux, c'est un truc. Enfin, moi, depuis tout gamin, tant que je suis mon père l'a gagné, on le suivait. Bon, après, Stéphane l'a gagné avant moi. Mm. Mais c'est vrai que c'est un truc que je dis, bon, c'est le rêve de mes oies, de gagner un ou l'autre. Mm. Et tu sais, avant de gagner la mouette, hein, j'ai fait la finale de l'Adrien Bernard. Adrien, c'était un copain à mon grand-père, je le connaissais bien. Et celui-là, j'aurais aimé la. Celui-là me manque aussi. Celui-là, j'aurais aimé le prendre. Parce que. C'est pour, enfin,
en ayant connu Adrien, ça m'aurait fait vraiment énormément plaisir de le remporter. Quoi. Puis bon, après, c'est le tournoi de Metz. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, c'est le tournoi de Metz. Quoi. C'est tout. La Saint-Louis, c'est quelque chose d'exceptionnel pour tous les aficionados, pour tous les joueurs. Pour les joueurs, peut-être, il n'y a encore pas tous. Moi, je connais des joueurs qui s'en foutent royalement de la Saint-Louis. Je te le dis comme ils le disent. Je te le dis honnêtement. Moi, personnellement, ça me fait pas triquer. Quand je vois les tournois du lundi, en termes de qualité de joute, je peux t'assurer, les tournois de Metz sont bien plus relevés au niveau en qualité, je parle, de la joute, que le tournoi à Saint-Louis. Après, ce qui fait l'exception de ce tournoi, c'est le cadre. C'est vrai le cadre et le public. Le cadre et le public, voilà, tout simplement. C'est vrai que Il est médiatisé à fond. Quoi. Mais après, moi, sincèrement, depuis, je crois que la dernière année que je suis allé assister au Grand Prix, c'était en 2007. Déjà 10 ans. Il y a 10 ans. Ben, l'année où Bernard le gagne. Voilà. Depuis, je ne suis pas retourné. C'est pas un tournoi qui me plaît. Je trouve que bon, c'est. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques, mais bon. Voilà, tu vois où je veux en venir. Quoi, Bien sûr. Parce qu'on aime les joutes. Voilà, et moi je trouve que c'est pas. Au niveau, comme je te disais, en termes de qualité de joute, ben, je me regarde plus à voir les tournois, l'Adrien Bernard et le Moulinier-Sil que de voir le Grand Prix de la Saint-Louis. Pourtant. Chacun son avis. Ouais. Les avis sont divers. Attendez, pas tous les deux. William, il a son avis, il n'est pas jouteur. Bon, moi je suis jouteur. Oui. Bon, le Saint-Louis, la Saint-Louis, c'est un très 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 beau tournoi. Mais. Il n'y a pas, moi, je te le dis en tant que joueur, hein, j'ai pas plus de pression à la Saint-Louis que sur un autre tournoi. C'est, pour moi, c'est. C'est comme un tournoi de tous les dimanches. Le fait qu'il y ait 10 000 personnes ou qu'il y ait 3 personnes, pour moi, ça ne change rien du tout. De toute façon, je suis concentré et j'entends personne. Mais oui, j'ai plus de pression en jouant à Mazin qu'en jouant à la Saint-Louis, ça c'est sûr. Mais après. C'est vrai que quand le défilé de l'après-midi avant le tournoi, quand ça part et qu'on descend la bourse et qu'on voit ce monde, la bombe qui pète, c'est un même petit frisson. Ah oui. C'est vrai, j'avoue. C'est un très beau tournoi. Hein. Moi, je suis content quand on m'invite à jouer à la Saint-Louis, je suis très content, je le dis. Yannick, tu l'as fait tout au long de ta carrière aussi, le Grand Prix. Ouais, après, bon, c'est. C'est vrai, on peut pas le. Si tu veux, un étranger ne peut pas en parler pareil que c'est toi. C'est toi. Enfin, comme nous, on aime les tournois de Metz, eux, ils aiment la Saint-Louis. C'est le Graal pour eux. Après, moi, je peux pas dire en tant que joueur que ça. Je peux pas dire que c'est pas un beau tournoi. Au contraire, c'est un tournoi qui est très très important, quoi. Après, bon, c'est vrai que je trouve que plus ça va, le dommage qu'il y a, c'est que c'est dans le tri des joueurs. Où ils ont mis en place depuis 2 ou 3 ans, je sais pas combien, des règles avec le champion comme Mika l'année prochaine qui pourra pas la faire. Mika pourra pas la faire. Kos, s'il reste à Agde, il pourra pas la faire non plus. Ouais. Et parce que la première année qu'ils montent en lourd, ils peuvent pas faire. Alors des champions comme ça, on va les mettre de côté. Ah oui, parce qu'on a mis en place des règles à la con. C'était élevé il y a quelques années avec Morgan Espinosa qui méritait amplement de faire le Grand Prix. Et l'année avant, peut-être, ou 2 ans avant, oui. David a pris la fête hein, parce que la règle n'était pas encore en place. Hein, voilà. Donc ils se sont mis en règle, des règles comme ça en place. Il y a des Sétois qui n'ont pas leur place au milieu et comprennent. Voilà. Comme on dit, c'est pour ça qu'il y a des moments où dans la Saint-Louis, il y a des moments où c'est creux, où ça. Il n'y a aucune excitation. Ouais. Après, il faut attendre que les ténors ils arrivent. Quoi. Quand y en a certains qu'il faut remonter la pression. Après, on est quand même content quand c'est la maison qui la gagne. Hein. Eh ben, bien sûr. Je tiens à le préciser quand même. Mais après, bon, comme je te dis, c'est un beau tournoi, mais en termes de qualité de joute, c'est pas un tournoi qui me plaît. C'est un beau tournoi, comme je sais, au niveau de l'ambiance, à ce niveau-là, au niveau du contexte qu'il y a tout autour. D'accord, c'est un beau. Mais en termes de qualité de joute, je trouve que les tournois, il y a des tournois qui sont beaucoup plus relevés que celui-là. Quoi qu'il en soit, la Saint-Louis a été lancée aujourd'hui par le sénateur maire depuis le balcon de la mairie. On vivra dans le cadre du championnat de Ligue qualificatif au championnat de France et à la Coupe de France. Ce week-end, les deux tournois de Metz. Le samedi, celui de la Nouvelle-Lance Mézoise avec l'Adrien Bernard. Celui du dimanche avec le Moulinier-Sil organisé par la Jeune Lance Sportive Mézoise. Je me ferai un plaisir, chers messieurs, d'être à vos côtés et samedi et dimanche. Et bon, t'attends. Hein.